après-midi d'été, un papillon gris, blanc et rose vient se poser sur le dos de la main de Mila Malou. Les petites pattes toutes légères posées sur sa peau la chatouillent un peu. Mila Malou voudrait bien qu'Alice le voie, mais elle n'ose pas bouger du tout, de peur que le papillon ne s'envole. Doucement, tout doucement, elle approche sa main de son visage pour mieux voir son visiteur. Elle voit sa petite tête noire pourvue d'antennes, ses longues pattes fines et la poudre rose sur ses ailes, tachetée de blanc et bordée de gris. Le papillon se laisse regarder. Il ne paraît pas pressé de repartir. Mais sait-on jamais avec un papillon? Un moment ici, et un quart de seconde plus tard, sans aucun signe, hop, il est parti. Mais il ne part pas. Il fait même quelques pas et Mila Malou retourne un peu sa main pour qu'il reste à l'endroit, les ailes tournées vers le ciel. C'est alors que du coin de l'œil, Mila Malou voit le chat Merlin qui s'approche. Son cœur s'accélère. Elle a soudain peur que Merlin chasse le papillon. Le chat pourtant se promène. Il n'a pas vu le papillon. Ne sachant quoi faire, Mila Malou ferme les yeux. Pense très fort à Merlin en train de s'éloigner. Puis elle rouvre les yeux et, aussi surprise que soulagée, constate que le chat a changé de route et qu'il s'éloigne en gambadant. Le papillon est toujours là. Mila Malou souffle doucement, longtemps, calmement. Elle est fière d'avoir anticipé le danger et protégé le papillon. Elle a alors une idée. Elle ferme les yeux de nouveau et pense très fort cette fois au papillon. Veux-tu être mon ami? Imaginez sa surprise d'entendre le papillon lui répondre dans sa tête. Tu es une enfant spéciale. Tu m'as protégée du chat avec une efficacité remarquable. Je veux bien être ton ami. Et depuis ce jour, quand Mila Malou se promène, il y a toujours un papillon gris, blanc et rose qui vole autour d'elle ou bien posé sur son épaule. Et dans son village, où personne n'a jamais vu ça, on l'appelle la fille au papillon.